Bonjour et salut à tous, et voilà, on se retrouve avec la table des figurines pop, une boîte et le t-shirt pop in a box. Vous l'avez sans doute compris, c'est le Parlons Figurines numéro 3 sur les Funko Pop. Alors, première étape, on parlera tout simplement de ce que je n'ai pas parlé la dernière fois, la boîte, en vous expliquant pourquoi est-ce qu'il faut garder la boîte et comment est conçue la boîte des Funko Pop. Et aussi pourquoi certaines personnes mettent les figurines pop dans les boîtes et d'autres comme moi préfèrent hors de boîte. Ensuite, on parlera tout simplement de où est-ce que moi personnellement j'achète mes Funko Pop. Et dernière partie de la vidéo, tout simplement, ça va être sur mon top 10 des Funko Pop que je veux ou j'ai. Alors du coup, en premier temps, on va s'occuper de la boîte. La boîte, il y a plusieurs types de personnes. Je dirais, il y a trois types de personnes. La première type de personne, un petit peu comme Révi, Léo, qui va dire la figurine pop, c'est la boîte plus la pop. Bon, d'un côté, il a raison. La figurine pop, c'est la figurine. Et la boîte, bon. Il va y avoir un deuxième type de personne qui va dire la boîte, on s'en fout. Ça sert à quoi de la garder? Ça sert à rien. Donc eux, c'est les personnes justement avec qui je vais me battre durant cette vidéo, durant le moment que je vais parler des boîtes. Voilà. Et il va y avoir un troisième type de personnes dans laquelle moi je me situe qui vont dire, bah voilà, la boîte, premièrement, ça va servir, enfin si tu déménages, admettons, à protéger ta figurine, mais aussi à la revendre plus cher si tu veux la revendre. Voilà. Alors, en premier temps, du coup, la boîte des figurines Funko, vous pouvez voir qu'il y a une vitre en plastique là et là, devant et sur le côté. Voilà. Alors, tout simplement, ça sert à voir les figurines. Et là, les personnes comme Révi vont mettre laisser les figurines dans les boîtes. Les personnes comme moi vont pas le faire parce que bah, ils trouvent ça sûrement moche ou peu intéressant. Parce qu'en fait, il y a tout simplement dans la boîte quelque chose qui se garde aussi, qui va être le fameux plastique de protection. Alors, admettons sur la figurine de Captain America de Avengers Endgame, on a le plastique qui ressemble à ça. Alors bon, ce n'est pas celle qui est là, mais c'en est une autre. Et en fait, ça fait une sale barre ici, juste au-dessus des yeux du personnage. Et je trouve ça très moche. Alors, du coup, ensuite, mis à part la petite vitre et le plastique à l'intérieur, la boîte est conçue toujours pareil, avec des images de la figurine sur presque toutes les faces, sauf en dessous. Car en dessous, c'est réservé tout simplement pour toutes les modalités. Les attention, ne pas laisser un enfant 3 ans. Attention, cette boîte est recyclable. Voilà, le code d'authentification de la Funko Pop, etc., etc. En parlant du petit code d'authentification qui est en dessous, il sert uniquement à savoir si c'est une véritable Funko Pop ou pas. C'est pour éviter les contrefaçons. Deuxième point, pour éviter les contrefaçons, ça va tout simplement être le petit R qu'il va y avoir juste à côté du logo Pop. C'est les deux moyens, à ma connaissance, pour éviter les contrefaçons. Alors, du coup, mis à part le logo, la vitre, on va avoir ici tout le temps le nom de la licence d'où appartient la figurine. Donc là, par exemple, c'est Avenger, donc on reconnaît au logo que c'est Endgame. Ensuite, on va aussi avoir un petit numéro. Là, c'est 450. 450, c'est simplement le nom de la figurine. Donc si vous tapez Avenger Endgame 450, vous allez tomber sur cette figurine-là. Donc la figurine de Captain America en tenue quantique. Ensuite, on a le nom ici, donc Captain America. Et derrière, donc sur le côté, ça se présente assez similaire, il y a les mêmes points. Sur le derrière, c'est pareil, sauf que en plus, on a la collection. Donc si cette figurine-là n'apparaît pas dans la collection, je vais vous envoyer directement sur la vidéo Parlons Figurine Pop numéro 2, dans laquelle je parle des figurines hors série et des exclusivités qui sont assez souvent des hors série aussi. Alors, et ensuite sur la dernière face, c'est juste une face classique, donc on a de nouveau le petit transparent et on a marqué le nom du personnage ici en gros. Donc là c'est Captain America. Sur le devant ici, on a généralement les spécificités de la figurine. Là, par exemple, c'est marqué. Donc là, en fait, en bas, sous le nom, on a marqué Bubblehead, figurine tête brillante. Alors, tête brillante, c'est sur tous les Funko Pop, dans mes souvenirs. Les Bubblehead, je le répète, c'est uniquement sur les Marvel et les Star Wars.
Pour plus d'informations sur tout ce qui va être écrit ici, donc les bubble heads, etc., je vais aussi vous renvoyer sur la Parlons Figurine Funko Pop numéro 2, dans laquelle j'explique un petit peu aussi ce que c'est la bubble head. Alors, ensuite, deuxième point, où est-ce que j'achète moi mes figurines pop? Les trois quarts du temps, je les achète à la Fnac, voilà. Parce que premièrement, ils ont un assez grand choix de figurines, autant que ce soit Marvel, que Harry Potter, Fortnite, Overwatch. Ils ont un choix énorme, ils ont quand même pas mal de licences. Et la Fnac. Ensuite, pourquoi la Fnac? Parce que tout le long de l'année, ils ont une promo qui est pour deux pop achetés, une pop offerte. Donc le lot de 3 pour 30€. Sachant que je dis toujours que les pop, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Donc au final, payer sa pop 10€, moi ça me va très bien. Parce que je rappelle qu'une pop c'est à peu près 15€ dans pratiquement tous les magasins. Mais bien évidemment, il y a quelques petites exceptions, sinon j'en parlerai pas. Alors, niveau des exceptions, niveau des prix, bah du coup la Fnac avec sa promotion. On a aussi de temps en temps Micromania qui ont du déstockage, enfin qui déstockent un petit peu de temps en temps des pop au prix de 10€ aussi. Généralement c'est souvent des pop assez vieilles, des pop que plus personne ne veut, les anciennes collections. C'est dès qu'il y a une nouvelle collection qui sort, les anciennes sont bradées, sont mises à des prix plus bas pour justement écouler les stocks et avoir de nouveaux stocks de la prochaine collection. Et de temps en temps, moi, ces fameux prix-là, j'en profite parce que de temps en temps, ils ont aussi un assez large choix, Micromania, à savoir, ils ont encore plus de licences que la Fnac et peut-être un petit peu plus de choix selon les trucs. Sachant que Micromania, en plus, de temps en temps, ont des exclusivités. Le petit détail qu'il y a, c'est que selon les Micromania, dans la même ville, peut y avoir une différence de prix de 1€ sur les figurines pop. C'est le gros bémol, le gros dommage sur Micromania, parce que je sais que au Micromania, au Doc Vauban, donc au Havre, les pop vont être à 16€, alors que dans le Micromania de l'Espace Coty, toujours au Havre, la figurine pop va être à 15€. Donc c'est de temps en temps des petites choses comme ça qui font choisir un magasin ou un autre. Voilà. Alors j'achète aussi mes Funko Pop toujours dans des magasins, mais ça va être plus dans des magasins type Leclerc, Auchan, Carrefour. Il n'y en a pas, mais bon, c'est aussi souvent dans ce type de magasin là tu peux aussi faire des bonnes affaires. Je sais qu'il y a Auchan Pop, je crois qu'elles sont à 14€ ou 13€, un truc comme ça. Donc c'est nettement moins, c'est un peu moins cher que les figurines pop de base, mais bon, ça reste toujours sympa d'avoir des figurines pop neuves pour pas grand chose. Ensuite, on va commencer par Amazon. Parce que Amazon, ils ont des exclusivités à eux, donc les exclusives Amazon, que j'ai déjà parlé dans le Parlons Figurines numéro 2. Alors, ensuite, pour être sûr d'avoir une officielle sur Amazon, je vous conseille, regardez l'expéditeur et le vendeur, faut que ça soit marqué vendu et expédié par Amazon. Sinon, vous avez de fortes chances d'avoir une contrefaçon. Je ne dis pas que vous êtes obligé d'avoir une contrefaçon si ce n'est pas le cas, mais vous avez quand même de fortes chances. Le second, ça va être Pop Culture, Pop in a Box, c'est assez similaire, eux aussi ont leur exclusivité. Ces deux web boutiques là, tout simplement vont vendre des figurines pop que tu ne trouves pas partout. Je vois par exemple, je crois que c'est Pop Culture qui a en ce moment les dernières Marvel Zombies. Non seulement pas terrible et pas vraiment réaliste dans le mode zombie. Alors ensuite, on va parler simplement de Wish et AliExpress. Ce sont des sites plutôt corrects pour acheter des choses pas chères. Mais dans les choses correctes, acheter pas cher, il y a juste le mot correct. C'est pas foufou, c'est pas génial. Donc si vous achetez une figurine pop chez AliExpress ou chez Wish, vous avez, je dirais, 10% de chance d'avoir une figurine pop vraie, une vraie figurine pop. Le reste, il y a de fortes chances que ce soit des contrefaçons. Alors, il faut savoir qu'après, si vous vous en fichez un petit peu de la qualité de la pop, etc., bah, achetez là-bas, les prix sont très bien. Et les prix sont très bien et figurine pop, bon, sont... de temps en temps assez ressemblante aux figurines classiques. Alors, on va enfin sur la dernière partie de la vidéo, la troisième partie,
Oui, je sais, c'est la vidéo la plus courte des parlants figurines sur les figurines pop. Mais bon, à un moment, faut bien, après deux vidéos d'une demi-heure, qu'elle se calme sur une vidéo de 10-15 minutes. On va tout simplement parler de mon top 10 des figurines pop, en commençant tout simplement avec cette figurine pop, qui est une figurine pop assez vieille, mais je kiffe le costume de Spider-Man en mode Scarlet Spider. J'ai toujours adoré ce costume. Je trouve vraiment sympa sur cette figurine pop, malgré que ce soit une vieille pop et que les jambes soient très arquées. C'est tout simplement la position des doigts. Et du coup, la numéro 9, ça va être tout simplement cette figurine-là. La figurine de Tony Stark effectuant son snap. Alors premièrement, il y a pour remonter cette figurine-là, la scène qui est mythique. Mais pas que. Il y a aussi du coup pour cette figurine-là, du glow in the dark. Et ce qui me fait vraiment craquer sur cette figurine-là, c'est tout simplement la position ultra réaliste ainsi que... les petits éclairs qui se propagent sur son bras. Numéro 8, on va avoir tout simplement une pop dans la même gamme, sortie la même année, sortie dans la même collection même. Ça va être celle-ci de Captain America avec le Mjolnir et le bouclier de Captain America brisé. Pourquoi cette figurine pop est en 9ème? Parce que simplement j'adore tout le travail qui a été fait sur les éclairs pour les rendre transparents, pour les rendre un petit peu... la forme des éclairs et tout, je trouve ça très très sympa. Ça fait quand même très cartoon tout en gardant l'univers des Funko Pop, car les Funko Pop sont selon moi des figurines cartoon. Du coup, en numéro 8, on va avoir la figurine pop de Venomized Hulk. En temps normal, je suis pas fan des pop Venomized. En temps normal, je suis pas fan de Hulk, mais la pop Hulk Venomized, je la trouve énorme, car Venom ne prend pas le contrôle complet du personnage, mais juste un quart. Du coup, quand même vachement le personnage, car il y a quand même tous les traits de Hulk vert qui restent. C'est juste génial, je trouve cette figurine pop très belle. Et le travail du design qui a été fait est quand même vachement intéressant. La numéro 6, ça va être tout simplement celle-ci. La figurine pop de Hulk de Thor Ragnarok. Car Hulk en figurine pop, je trouve qu'il est juste trop mignon. Et tu ne peux pas le prendre du tout au sérieux. La tenue du gladiateur est énorme. J'adore franchement. C'est l'un de mes personnages en figurine pop préférés. La numéro 5. Et là, on revient du coup sur une vieille pop, ça va être tout simplement celle du bouffon vert. Je la vois assez peu fréquemment avec sa citrouille dans la main. Et en plus, le seul truc qui manque à cette pop pour qu'elle soit une numéro 2 ou numéro 3, c'est tout simplement le planeur. Parce que la position qu'il a, même s'il est ultra arqué, je trouve que bouffon vert, ça lui va bien, car c'est tout simplement la même position qu'il a sur le planeur. La pop numéro 4, c'est tout simplement celle de Philip Coulson avec Lola. Lola, c'est la voiture rouge, donc c'est une pop ride du coup. C'est la même voiture que l'on voit dans Captain America 1 First Avenger. C'est la voiture que l'on voit dans la scène de l'exposition Stark Industries. C'est la voiture volante qui appartient à Philip Coulson dans Les Agents du Shield. La pop numéro 3 qui a été assez compliquée à départager avec la pop numéro 2 quand même, je l'avoue. Mais c'est une figurine pop ride encore, simplement celle de Ghost Rider sur sa moto. Je trouve que cette pop est géniale, le boulot fait sur la moto pour rendre les flammes transparentes et tout, c'est énorme, c'est super bien fait. La pop numéro 2, j'étais obligé de le placer dans mon top, c'est tout simplement Stan Lee dans son caméo du soldat de l'hiver en mode garde de nuit, de musée. Je trouve ce costume très sympa, que ça lui va très bien. Et en plus, Stan Lee, c'est Stan Lee, quoi. Donc, du coup, voilà, on arrive tout de suite à la première place. Et ça, c'est une pop un peu plus grande que les autres. Je dirais que si je l'ai, ça serait sûrement la pop la plus grande de ma collection. Elle est même plus grande que la Gigant Size de Snap de Hulk. C'est tout simplement, oui, encore une Hulk, décidément. Il fallait absolument que Hulk soit en premier. C'est Hulk qui sort du Hulk Buster. C'est une scène qui devait être faite dans le film Avengers Infinity War, mais malheureusement qui n'a pas été faite. C'est une scène qui aurait dû être énorme dans le film, je dirais. Mais sur cette figurine-là, tu vois tous les détails de l'intérieur du Hulk Buster. Tu vois un petit peu de détails sur Hulk et tout. Cette figurine pop est juste mais magnifique. Voilà, c'était le dernier épisode du Parlons Figurines sur les Funko Pop.
Avant de vous quitter, tout simplement, je vais vous conseiller d'aller voir l'épisode 1 et l'épisode 2 qui va être en description. Je pense que dans l'épisode 1, je vais pouvoir vous apprendre l'histoire des Funko Pop, si vous ne connaissez pas. Et dans l'épisode numéro 2, sûrement quelques types de Funko Pop que vous ne connaissiez pas. Parce que même moi, qui connaissais beaucoup la marque, j'étais quand même vachement surpris du nombre de gammes de Funko Pop qu'il y avait. Donc du coup voilà, sur ce, si vous avez aimé les 3 épisodes sur les Parlons Funko Pop, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo là et des 2 autres. Et moi sur ce, je vais vous dire voilà, n'hésite pas à liker, commenter, partager à tes potes. Sur ce, moi je vais dire ciao à tous, à une prochaine, c'était Arnaud. Allez, ciao !